Depuis le décès de ses parents, Rose a été recueillie par sa tante et sa cousine Amy, qui a toujours jalousé Rose en secret. Depuis son divorce, la mère d'Amy est une femme triste et aigrie. Ce duo machiavélique mène la vie dure à Rose, qui cherche une solution pour fuir cette maison au plus vite. Tu étais où toi encore? Va vite au marché. On a faim. Ma fille, j'aimerais bien t'aider. Mais on n'a plus d'argent. Ton père nous a laissé que la maison. Rose, viens débarrasser, on a fini. Anna, tu sais, depuis que mes parents sont morts, ma tante et amie, elle me maltraite, Anna. Anna, je souffre et j'en ai marre. Ma tante, je la respecte, mais elle ne le sait pas. On dirait que je suis une esclave, Anna. Je sais qu'une grande carrière m'attend. Anna, je le sais. Je ne mérite pas ça. Je mérite mieux que ça, Anna. Je sers du travail. On me dit que ce n'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Anna, on dirait que je suis maudite. Anna, je ferai tout. Tout pour réussir ma carrière. N'importe quoi. Quoi? 1 million. Mais Anna, comment je vais pouvoir écouter toutes ces sommes? Je peux pas, Anna, c'est impossible. Mais Anna, 1 million, je travaille pas. Bonjour, 12e s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Rose, c'est bien toi? Super, monsieur Traoré. Ouais, ça va? Monsieur Traoré, ça fait un bail.
Ça va bien, comment vous allez? Je vous disais bien que c'était toi. Mais vous êtes où maintenant? J'enseigne toujours au lycée, figure-toi. J'espère que t'as pas fait une croix sur ta carrière d'ingénieur, Rose. Une si brillante élève. On se moque de moi quand je dis que je veux être ingénieur pour ce travail. Je pense que ma seule option, c'est d'aller à l'étranger. On me dit que ce métier n'est pas fait pour les femmes. Je suis fatiguée de ce travail. Hey Rose, arrête de parler. Occupe-toi des clients. Tu sais ce qu'on va faire? Je te donne ma carte et tu m'appelles. Parce que figure-toi, j'ai une amie qui lance une compagnie qui évolue dans le même secteur que toi. D'accord? Ne te décourage pas, tu es une femme très forte. Ok? Merci. Les conseils et encouragements de M. Traoré ont-ils encore une chance d'influencer le destin de Rose? Ah non, je ferai tout pour réussir ma carrière. N'importe quoi. Je pense que ma seule option, c'est d'aller à l'étranger. Non, c'est 1 million. Et un bateau qui part ce soir. Si tu es prête, appelle-moi. Elle est où, Ami? Je sais pas, maman. Quoi? Elle m'a donné ça pour toi. Ma chère maman, depuis que papa nous a abandonnés, tu es mon seul et unique pilier. Je serai prête à tout pour t'offrir une vie meilleure et revoir à nouveau ton si beau sourire qui me manque tant. Après de longues réflexions, j'ai finalement décidé de quitter la maison pour tenter ma chance en Italie afin de réaliser mon rêve de carrière, devenir une grande styliste et gagner beaucoup d'argent pour t'offrir tout ce que tu désires. Voilà la seule chose qui m'importe aujourd'hui. Tu as toujours été là pour moi. Et c'est maintenant à mon tour de prendre le relais pour te voir reposer. Ne sois pas triste, je t'en supplie. Je fais ça pour nous. Je t'aime, maman.